Je fais contrôle qualité et contrôle assurance en métallurgie soudage des installations offshore et onshore de Total. On s'habitue. Bon, il y a des fois, je suis toute la journée au bureau. L'opération d'aujourd'hui n'était pas vraiment prévue, mais c'est en général comme ça. Société de tuyauterie chaudronnerie travaille pour Total sur les installations offshore ou onshore. De faire le suivi de fabrication, de m'assurer que ce qui a été prévu, c'est ce qui sera fait et a été fait, de faire respecter les normes, les réglementations et les spécifications de Total. Il y a l'analyse matière, il y a deux épreuves hydrauliques. Je dois vérifier normalement les dossiers. Il n'y a pas un cahier de soudage. M'assurer que tout le dossier est complet avant l'épreuve hydraulique. Le cahier de soudage, m'assurer que tous les contrôles ont été faits. Je fais un contrôle visuel. Bon, c'est une petite ligne. Et m'assurer qu'avant le lancement des épreuves, que le manneau il est certifié. Donc, ce que je fais, je vérifie le dossier avant. Bon, nous n'avons pas encore. Ils ne sont pas encore arrivés à la pression d'épreuve. Je vérifie le certificat du manneau, je le mets sur le métal, je le mets en route. On attend 15 à 20 secondes. Bon, là, il me donne tous les éléments chimiques, les éléments lourds. Et c'est bien le bon acier, c'est du 3,5 nickel. Bon, je suis la seule femme ingénieure dans le département. Tout début, j'ai eu un petit peu du mal, surtout avec les ouvriers sur le chantier. Quand on leur dit il y a le QAQC qui arrive, et ensuite il y a tiens, c'est l'ingénieur Clara Bacalé qui arrive, je dois m'imposer. Je n'ai pas le choix, je dois m'imposer. Moi, ce que je recommanderais surtout aux filles, c'est d'être curieuse. En fait, mon objectif personnel, c'est d'apprendre un maximum et de diversifier. Mais monter en mer en se lançant des activités. Comme là, je profite de mon petit travail de l'inspection, de pouvoir les suivre. Il y a parfois des sorties entre collègues. Et quand on y va, à la fin d'une journée ou bien quand on a une pause café, il n'y a que des hommes. Donc, il n'y a pas vraiment une femme à qui... on a peut-être autre chose à dire entre femmes. Oh, quelquefois, ça manque, oui. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de femmes, quand même. C'est bien d'avoir une collègue femme. Ça serait...